Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle comme à chaque fois, mais en plus j'ai un invité. Bonjour à tous. Salut les gars, c'est Guillaume. C'est Guillaume, voilà. Et donc la vidéo va être assez simple hein, pourtant. Ça faisait quelques temps, j'ai gardé un joli display et je voulais l'ouvrir avec vous. Vous avez vu dans le titre de la vidéo, c'est qu'est-ce qu'il y a dans un display Worlds Collide. On va l'ouvrir ensemble. On va pas analyser tous les decks, etc. L'objectif, c'est d'ouvrir, découvrir le genre de maison, s'il y a des anomalies, des Legacy, des Mavericks, voir un petit peu statistiquement qu'est-ce qu'on aurait dans un display. On va ouvrir ça ensemble et on se retrouve très très vite pour d'autres analyses de vidéos. En fait, je crois que Quentin, il veut juste me dégoûter. Alors voilà, l'objectif, c'est ça. Il veut juste que j'ouvre des anomalies. Je veux qu'il ouvre des anomalies. Il va ouvrir plein d'anomalies, mais en fait, voilà, c'est dans mon display. Vous voyez, au cas où vous avez jamais ouvert de display, vous l'ouvrez là, comme ça, à l'intérieur. Et il y a plein de petits decks. Je le dépose là, on va les sortir. Je mets un de chaque côté. Vous voyez, c'est des decks. Oh, et ce sera des decks en anglais, hein. Voilà. Ah, parfois, malheureusement, il y a trop d'erreurs de traduction. Parfois. Là, ça va. En français. Ok. Bah, c'est l'Infurnas qui me... C'est l'Infurnas, c'est assez difficile. On a 6 decks chacun. On va simplement les ouvrir. Et puis après, bah, je ferai un petit plan pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on a réussi à faire. T'es prêt sur le premier? Ouais. Allez, c'est parti. Alors lui, il a direct réussi à faire son ouverture. Pas d'anomalie. Pas d'anomalie. Ok. Donc déjà, on a un deck sans anomalie. Et alors, Shadow Logos Untamed. Shadow Logos Untamed, pendant que on nous appelle. Donc, il vient d'ouvrir un Shadow Logos Untamed. Et moi, alors, nous aurons, attention, un Star Alliance 10 et Untamed. Mais de nouveau, je n'ai pas quoi que ce soit sur le côté. Par contre, on regardera un petit peu après s'il y a des cartes spéciales ou des trucs comme ça. Pendant qu'on a un invité surprise qui est venu nous rejoindre, il va venir. Venir dire bonjour à un autre membre des Wookiees qui va un petit peu regarder à l'arrière l'ouverture. On enchaîne hein, tout de suite, hein, l'objectif. Je te laisserai ouvrir un des decks. Voilà, l'objectif c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un deck, d'un display. Voilà, Logo Star Alliance Shadow. Ouh, ça c'est un combo. 10 Star Alliance Shadow, alors ça moi ça me plaît bien. Tu vois, par contre, toujours rien de particulier en tout cas. Il y a parfois des cartes spéciales, on vous montre tout ça après. Ah, on est dans l'ouverture. Human Bane. Tu sais que j'ai ouvert un deck avec... comment elle s'appelle, Hortanus. Hortanus. Je savais pas qu'il était encore dans Worlds Collide. Ah c'est ben mon voilà. Premier deck Hortanus. On enchaîne sur ouais. Le troisième deck. Déjà, on avance. Attention. Ah, petit Shadows Logo Star Alliance. Ok. Vraiment, moi, ma maison préférée. Vraiment, Star Alliance. Star Alliance, c'est vraiment génial. Moi, j'ai un 10 Bromnar Untamed. Ah, je vois tout de suite que j'ai deux spéciales là-dedans, mais toujours pas de Maverick. Par contre, un petit truc sympa, t'as un leader, le Mont Zendik. C'est vrai qu'on pourrait regarder assez, les leaders. Assez pété comme carte. Eh ben voilà. Piocher deux cartes si t'es au milieu de la battlefield. Il me reste trois decks, toi. Moi aussi. T'en restes trois. Et il faudrait peut-être une anomalie pour la vidéo, ce serait quand même sympa. Ouais. Logos Untamed 10, est-ce qu'il y a une anomalie? Est-ce que vous voyez une anomalie? Non. Non, moi j'ai pas l'air. Moi j'ai du Logosaurian Shadow. Voilà, c'est bien ça, Logosaurian Shadow. Par contre, il y a des bonnes cartes là-dedans. Alors, on a dit qu'on n'analysait pas les cartes. Hein, l'objectif, c'est vraiment de voir. Vas-y, toi, t'as peut-être une meilleure chance. Allez, ouais. Attention. Les anomalies, il nous en reste deux à ouvrir. Salut. Et donc, on est parti simplement dans l'ouverture, l'annonce des maisons, et on dit si on a quelque chose. Parce qu'on a pour l'instant rien. Vous serez témoin sur un display. Il y a un peu de spécial, mais en même temps, en théorie, une anomalie, c'est une tous les trois displays. Vu que c'est ouais, mais ça va. À 1 sur 35. Alors, moi j'ai Logo Star Alliance Untamed, mais je suis très content parce que je viens de voir une carte spéciale que je veux depuis longtemps, c'est le petit crapaud Toad. Ah ouais, donc t'as la grosse carte. Donc je dois avoir la grosse carte dedans, je trouve ça rigolo. Ouais. Ici, il n'y a rien de spécial, sauf l'Universal Keylock, qui est une rare que j'aime beaucoup. Allez, ok. Ben, pour l'instant, après on va pouvoir faire un petit peu les statistiques de tout ça. À vous montrer un peu les decks et à analyser ce qu'on a ouvert du Saurien. Moi j'ai ouvert du Saurien. Bon, normalement on a quasi toutes les mêmes. Un autre Saurien justement, on en parlait, avec une très chouette rare, le Spartazor. Ok, et c'est quoi les autres maisons? Logos, Brobnar, Saurien. Bah, du coup tout se joue sur ce dernier deck. Hein. Ah, si ce dernier deck n'a pas de Legacy, n'a pas de Maverick, n'a pas d'anomalie, on arrêtera de dire que hein, j'ai plein de chance, nanana. Parce qu'à chaque fois on me dit ça. Alors, moi je vois déjà qu'il n'y a rien. En tout cas il y a du Logos 10. Untamed, mais de nouveau rien du tout. Alors assez rapidement, hein, comme ça, moi je suis en train de noter tout ce que je vois. Je vois déjà pas Guillaume mal de revient avec nous voir un peu ce qu'on avait. Je vois déjà pas mal de Bromnar et de Logos. J'ai l'impression que tu as tiré les scientifiques. Qu'est-ce qu'on a tiré essentiellement?
Moi je vois quelques rares. Moi je veux du untamed. Du untamed, du untamed, du untamed, du untamed, du untamed. On va faire une petite traveling. Il y a beaucoup de untamed, pas mal de spéciales. Voilà, on n'a aucune idée de la force des decks, etc. Donc là c'est juste une ouverture, on regarde. On regarde surtout, normalement, vous voyez, en bas à droite, parfois, il y a quelque chose qui se met. C'est quand vous avez... Franchement, t'as un peu de tout. Hein. J'ai un peu de tout au minimum, j'ai toutes les maisons. C'est pas comme le bug aux États-Unis où c'est pas comme le bug. Tous des 10. Voilà. Ouais. Ça... Mais ça manque de Mars et Sanctum. Bah bon, on se demande un petit peu pourquoi, j'ai aucune idée. Regarde-le avec ça. Voilà. Donc, je vais vous faire un petit travelling avec un petit peu tout, simplement, toutes les maisons. Comme ça, vous allez pouvoir voir ça. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que statistiquement je peux déjà vous dire que 1, il n'y a pas de Legacy, pas de Maverick, pas d'Anomalie. Mais ça ne veut pas dire que dans un autre display que j'ouvrirai il pourrait y en avoir 12 hein. Ouais. Mais ça veut pas dire non plus que les decks sont mauvais, bien au contraire. Il y a quelques spéciales et surtout la première des choses qu'on a remarqué tous là, c'est qu'il y a un peu toutes les maisons. Et ça c'est vraiment un truc qui est important pour moi dans un display. C'est que si j'achète 12 decks, c'est que j'ai pas 12 fois la même combinaison de maisons. Sinon ça deviendrait un petit peu foufou. Ouais. Le hasard a un pouvoir organisateur. Voilà, c'est ça. C'est pas trop mal placé. J'ai encore un autre display, donc je l'ouvrirai sans doute en live avec vous. Et sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter de forger vos trois clés rapidement. Bisous, bye bye. Bye bye.